Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 8 janvier, la Sainte Église célèbre Saint Jérôme Émilien, fondateur d'ordre de 1481 à 1537. Écoutons la vie de Saint Jérôme, une vie pleine d'humanisme, d'amour du prochain, de la crainte de Dieu et une fervente dévotion à la Vierge Marie. Saint Jérôme Émilien, né à Venise, était de la noble race des Émiliani. Sa jeunesse se passa dans le métier des armes. Il avait reçu une éducation chrétienne, mais se laissa bientôt entraîner par le torrent des passions. Fait prisonnier et chargé de fer, après une courageuse défense de la place de Castelnuovo, qui lui avait été confiée, voyant la mort proche de lui, il rentra en lui-même et sentit une vive crainte de paraître devant Dieu en état de péché mortel. Les yeux pleins de larmes, Jérôme fit alors un vœu à Marie. Aussitôt, la mère des dieux lui apparut, l'appela par son nom, lui donna les clés de ses fers et de son cachot, et lui fit traverser sain et sauf les rangs de l'armée ennemie. Le jeune converti alla suspendre ses chaînes et les clés de sa prison à l'autel de la Madone de Trévis et publia partout les miséricordes de Marie à son égard. Dès lors, à l'admiration de Venise entière, qu'il avait connu si mondain, il change de vie et passe son temps dans l'exercice de la prière, de la mortification et des bonnes œuvres, visite les hôpitaux, panse les plaies des malades et se montre le père de tous les malheureux. Il fit surtout éclater sa charité durant une famine et une maladie épidémique. Il vendit jusqu'à ses meubles et sa maison devint un hôtel où personne n'était rebuté. Touché du sort des enfants que la mort avait privés de leurs parents, il loua une maison où il les réunit et où il se chargea de leur nourriture, de leur entretien et de leur instruction. Il devenait ainsi le père de ceux qui n'en avaient plus. Il allait les chercher par les rues et les places, les amenait dans son pieux asile et leur inspirait une piété qui fit bientôt l'admiration de Venise. Le zèle ne connaît pas de limite. Jérôme trouva encore le temps de s'occuper des jeunes gens et des vieillards, de diriger l'hôpital des incurables, de fonder une œuvre pour réunir les pécheresses converties par ses prédications, de parcourir les campagnes, la clochette à la main, pour apprendre aux enfants et au peuple
les éléments de la religion. Il mourut au service des pestiférés, laissant la congrégation des clercs réguliers sous masque pour continuer son œuvre. Saint Jérôme, un véritable cœur de saint, modèle à suivre aujourd'hui dans nos communautés. À tous ceux qui portent le prénom de Jérôme, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.